Bonsoir à tous. Alors, on est jeudi soir et je pense que je vais vous faire régulièrement des vidéos le jeudi soir entre 18h et 19h parce que je suis à Lidl. Et du coup, je suis tombée là-dessus. C'est un terrarium lumineux. Voilà. Donc, il y a le petit bouton et donc il faut ouvrir et mettre les piles. Donc, on vient juste de m'expliquer que ce genre de terrarium, on n'a même pas besoin de l'humidifier. Il s'humidifie tout seul. Alors, à vérifier. Hein. Mais c'est ce qu'on vient de m'expliquer. Et je trouve ça très très joli et il est à 11,99€. Franchement, il est pas cher. Si vous avez un cadeau à faire ou vous êtes invité ce week-end, je pense que ça peut être un très beau cadeau. Et ayant fait un tour chez les fleuristes il n'y a pas très longtemps, je peux vous dire que ce genre de composition, vous la trouvez pas à moins de 30€. Donc voilà, donc il y a plusieurs plantes. Hein. Alors, on m'avait demandé aussi d'essayer de dire dans quel Lidl j'étais. Là, je suis à Lidl Choisy 1. Parce qu'à Choisy, il y a deux Lidl et moi, je suis dans le plus petit. Arrivage de rosiers de jardin. Donc, plusieurs coloris. Ils sont à 2,99€. Même les pots, hein, vous avez plusieurs coloris. Et du coup, je me rends compte que la colorie du pot va avec la couleur de la rose. Tiens, des torchons de cuisine. C'était l'arrivage de la semaine dernière, mais du coup, dans le Lidl où j'étais, ils ne les avaient pas encore mis. Donc il y en a, c'est un lot de 5. Donc lavable à 60 degrés, 55% de rami et 45% de coton. Alors je repasse devant l'arrivage de ce matin et j'ai la chance de trouver une robe ouverte. Donc pour vous montrer un peu vraiment ce que ça fait. Donc manches longues, les manches sont transparentes et elle est doublée. Et elle a un élastique à la taille et franchement elle a l'air vraiment très très agréable à porter. Donc voilà, c'est celle-ci. Du coup, je vous montre aussi la veste, hein, parce qu'il y en a une qui est ouverte. Pareil, ce matin, je n'osais pas ouvrir les boîtes. Et franchement, elle est vraiment très très jolie. Hein. Et très agréable au toucher. Celle-ci, c'est une 40. Tiens, on va faire un petit tour dans la marque, c'est ça, dans ce que je voulais dire de luxe, dans la gamme de luxe. Donc c'est une gamme Lidl, donc c'est des produits de luxe. Donc j'ai vu ça, ça m'a attiré, c'est du miel d'acacia. Et il y a le, alors je ne sais plus comment ça s'appelle ça, ça y est, non, je ne sais plus. Et ça c'est vraiment très très bon pour la santé, hein. Franchement. Et en plus, il est à 5,99€. Je vais juste faire un petit zoom pour voir vraiment ce qu'il y a. Voilà, c'est de la cire d'abeille. Voilà. Par contre, la cire d'abeille ne se mange pas. Hein. C'est ce qu'il y a, le miel qui est à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc là, ils disent, oui, ils disent de ne pas donner aux nourrissons de moins de 12 mois. Là, c'est en ce moment, enfin depuis quelques, enfin très peu d'années. Hein, mais on considère que les nourrissons, il ne faut pas leur donner beaucoup de variétés pour des raisons d'allergie. Alors moi, personnellement, mais il ne faut pas faire comme moi, hein, j'ai donné du miel très très tôt à mes enfants parce que je trouve que c'est très bon pour la santé. Bien sûr, quand ils étaient nourrissons, je privilégiais du miel bio. Voilà. Mais là, pour le coup, 5,99€, là, c'est pas cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu de la pâte à tartiner de luxe. Alors ils en ont à la noisette, ils en ont, ça doit être bon ça, au caramel, ça doit être très bon au caramel. Ils en ont, j'ai vu la blanche, alors la blanche à quoi elle peut être? À la noix de coco. Moi qui adore la noix de coco, bon bah je pense que je vais pas repartir les mains vite parce que vraiment celle au caramel et la noix de coco elle m'attire vraiment. Celle à la noisette moins, parce que bon pour moi je dois avoir le même goût que les autres pâtes à tartiner. Hein. Mais la caramel et la noix de coco, pourquoi pas. Ah il y en a au mocha aussi. Voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a ça, donc 1,49€.
C'est pas cher. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des champignons à 2,39€. Des truffes noires entières à 14,99€. Alors, du vinaigre de fruits aux fruits à 2,69€. Il y en a à la figue, il y en a à l'abricot, à la framboise. Voilà, c'est les trois. Alors, de l'huile de pépin de courge. Alors, vous voyez, hein, même quand je ne connais pas, je vous le montre parce que je me dis que moi, je ne connais pas, mais peut-être que vous, vous recherchez ça depuis longtemps et que vous ne saviez pas qu'il y en a en ce moment à Lidl. Parce qu'en fait, la marque de luxe, c'est pas une marque qu'ils font toute l'année, hein, c'est des périodes. Donc, en tout cas, il y en a ici. Donc, c'est de l'huile de pépin de courge tyrienne, élaborée en Autriche. Alors, idéal en accompagnement de salade, de plat froid ou chaud. Je connais pas du tout. Vous avez du café Nicaragua et Zimbabwe, 3,99€ les 200 grammes. Des œufs de caille à 1,99€ les 18. Alors ça, on les retrouve bien sûr dans les grandes enseignes. Donc à Lidl, il y en a vraiment quand ils font ce thème-là de luxe. Moi, j'aime bien les œufs de caille quand je fais surtout des raclettes avec les enfants. Ça, c'est très bon. Tablette de chocolat, 1,99€. Alors pareil, franchement, j'ai goûté, il me semble, celle-là l'année dernière. Et waouh, elles sont super bonnes. Il y en a donc biscuits et noix de coco. Celle-là, je ne l'ai pas goûté, mais il me semble que j'ai goûté celle-là. Et il y en avait une autre. Et vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Elles sont super bonnes. Si vous aussi, vous avez goûté, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Les noix de cajou, 3,99€. Parce que comme je vous dis toujours, les goûts et les couleurs, moi je peux trouver un truc super bon, puis vous allez goûter, vous allez être déçu et vice versa. Noix de cajou à 3,99€, donc c'est des noix de cajou saveur truffe. Et il y a 100 grammes. Thé infusion, 3,69€, donc il y a la lavande, je vois que la lavande. Donc c'est du thé en vrac, avec des morceaux de pommes et lavande. Alors il y a un set d'aromathérapie à 6,79€. Ça doit être un set pour découvrir ben, tout simplement les arômes. Et donc on va essayer de trouver le français. Donc il y a 6 huiles parfumées, orange, cappuccino, vanille, miel cannelle, chaleur du feu, rosée du matin. Il y a une lampe à parfum, 2 bougies et 2 boules à parfum. Donc si vous êtes fan d'aromathérapie, ça peut être un kit sympa à 6,79€. Mousse de thon, de cèpe et confit d'oignon à 1,49€. Ensuite, vous avez des moris à 11,39€. C'est des moris séchés. J'avais pas vu sympa aussi un coffret de miel à 4,99€. Donc en fait, il y a 4 types de miel. Ça vous permet de découvrir les différents goûts. Du nougat de Montélimar. Donc c'est 2,49€ les 200 grammes. Tablette de chocolat noir à 1,29€, 95% de cacao. Des moulins épices à 1,55€. Vous avez plusieurs mélanges, hein, le mélange épicé, je pense que vous avez le spicy, le piquant et le spicy blend. C'est tous des... Non, alors il y a Spécie Mix. Il y en a plusieurs. Fouillez, vous trouverez. Je rigole, il y a plusieurs mélanges. À mon avis, il y a plusieurs poivres, plusieurs baies. Voilà, à 1,55€. Vous avez des pâtes rubans. Donc c'est des tagliatelles, donc au piment. Et au basilic, saveur ail des ours. Ben non, je pensais que c'était banan. Aïe des ours. Voilà. Décidément, ce soir, je découvre plein d'huile. L'huile de pistache à 3,99€. Moulin à sel, 3,19€.
Alors il y a aussi les grosses dattes, mais donc douces et juteuses. Mais je vois pas le prix. Pain d'épices à l'ancienne, 2,29€. Alors pain d'épices, c'est simple, c'est on aime ou on n'aime pas. Celui-là, il est aux fruits. Bon, ça dépend. Alors des fois j'aime bien, des fois je sais pas, j'en ai pas envie. Donc voilà. Mes enfants, donc la moitié de mes enfants n'aiment pas et l'autre moitié aime. Donc voilà, donc j'en achète très rarement. Mais celui-là, il a l'air bon. Il a l'air vraiment moelleux et moins industriel que ceux peut-être que j'achète habituellement. Là, je vous avais montré des confits avec les mousses, mais en fait non, elles sont moins chères que je vous l'avais annoncé. Elles sont à 1,19€. Confit d'oignon, confit de figues. Compote de pommes d'Aquitaine à 1,79€ en promo. Donc il y a 92% de pommes. Alors c'est ça qu'il faut regarder quand vous achetez des compotes. C'est le pourcentage qu'il y a de fruits à l'intérieur. C'est comme les jus. Hein. C'est pour ça que des fois vous avez différence de prix, mais des fois ça ne veut rien dire. Des fois vous allez acheter une compote pas chère et vous allez regarder, il y a 90% de pommes. Et contre une autre compote qui va coûter plus cher, mais vous aurez que 30% de compote de fruits, je veux dire, excusez-moi, de fruits. Je trouve que je parle assez rapidement ce soir, je ne sais pas pourquoi. Toujours dans la gamme de luxe, des calissons d'Aix de Provence à 5,99€. Alors, je me souviens pas si j'ai déjà goûté les calissons d'Aix, mais en tout cas si je les ai goûtés, ça m'a pas donné beaucoup de souvenirs. Je crois que c'est à l'orange, c'est ça. Donc voilà. Donc amandes, regardez, amandes, melon confit, voilà. Et corde d'orange confite. Encore des huiles que je ne connaissais pas, de l'huile d'avocat, 3,29€. L'huile de noisette, non, l'huile de noisette je connaissais, mais l'huile d'avocat, jamais entendu parler, jamais vu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez et ce que vous en faites surtout. Alors des desserts aux fruits, donc pommes, poires, prunes. Et je vois de la cannelle. Donc à 1,39€, pareil, hein, pensez à regarder le nombre de pourcentage de fruits. Là, il y a 85% de pommes. Regardez bien. 85% de pommes. Et puis le reste, c'est les autres fruits. On va finir. Puisque à la base, c'était pas du tout le thème de cette vidéo. Mais vous voyez, moi je découvre en même temps que vous la gamme de luxe. Et c'est ça que je vous disais, des fois je vous fais des vidéos, alors je passe un petit moment dans le rayon, je découvre des choses. Et moi le but de ces vidéos, c'est que vous vous disiez, bah tiens, à Lidl, il y a ce produit là en ce moment. D'habitude je l'achète ailleurs, mais je le connaissais pas. C'est pour vous faire découvrir tous les produits. Et puis, des fois, bah, on apprend quoi, on apprend des choses. Je finis par deux produits, j'ai vu qu'il y avait un autre produit à côté que j'ai pas vu. Crêpe dentelle 4,29€. Ça, moi j'adore ça. Pareil. Après, bon, là c'est la boîte, hein, je pense. 4,29€. De toute façon, en général, c'est quand même. C'est pas donné ce genre de gâteau. Moi, je les aime bien aussi au chocolat. Mais cette gamme-là, j'ai jamais goûté. Hein. Donc voilà. On finit par. Du coup, là, des gousses de vanille à 4,99€. Donc pareil, c'est la gamme de luxe. Donc c'est d'origine Madagascar. De toute façon, la vanille, la meilleure vanille, je pense, vient de Madagascar. Et vous avez aussi l'arôme naturel de vanille, 1,79€. Vanille bourbon, arôme liquide. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir un peu cette gamme de luxe Lidl. J'espère qu'elle vous a donné envie de déguster peut-être certains produits que vous n'aviez jamais vus. Alors je ne sais pas jusqu'à quand dure le thème de luxe. J'essaierai de regarder sur le catalogue. Sinon je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ah non, non, c'est pas fini. J'ai vu ça, plateau fruits et noix. 3,99€. Alors...
J'ai déjà goûté ce genre de petite friandise et c'est juste super bon. Après, ça dépend, c'est vrai, de la marque et tout. Hein. Bah, cette marque-là, j'ai jamais goûté. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est du chocolat, c'est des amandes, des noisettes enrobées. Hein. Voilà, de chocolat. Et c'est vraiment très très bon. Et c'est mignon, il y a la petite, petite pelle là, qui va avec pour se servir. Donc voilà. Donc noix, cranberry, blablabla. L'anglais et moi, ça fait deux. Voilà, donc mélange d'amandes grillées, de noisettes, d'ananas séché et de noix de cajou. Noix de pécan, on rembasse de chocolat blanc, de chocolat noir et de chocolat au lait. Voilà, voilà, j'étais obligée de vous montrer, hein, c'est ma gourmandise qui m'a poussée à ça. Après, voilà, ici ça vaut 3,99€, donc voilà, c'est à vous de voir. Je vous fais plein de gros bisous cette fois, c'est fini.